taper ton article ou l'éditer. Moi, j'ai ouvert mon blog à moi, donc ça va devoir ressembler à peu près au tien. Donc, pour taper le titre, au lieu de le taper, je vais coller le tien. Copier. Ensuite, je vais taper le texte. Même chose. Je copie le texte et le premier lien. Copier. Coller. Donc maintenant, je voudrais faire disparaître cette ligne où apparaît le lien en entier, qui n'est pas très beau visuellement. Comment faire? Eh bien, tout simplement, en insérant une photo, par exemple, Ad Media, Media Librairie, il doit bien voir si non, il y en a, voilà. Donc, admettons que je veuille prendre une photo. Qu'est-ce que je vais avoir comme photo? Allez, on va prendre n'importe quelle photo, ça n'a aucune importance. Voilà, celle-ci. Insert dans le poste, voilà. Et sur cette photo, je vais maintenant sélectionner l'adresse de mon lien, là, que j'ai ici. Copier, je vais remonter haut et sélectionner ma photo et je vais associer à cette photo un lien et l'URL c'est celle-là. CTRL V, je vais faire coller, CTRL V et donc update, c'est-à-dire que je vais le mettre là. Et ce qui veut dire que quand je cliquerai sur ce lien, je vais enregistrer mon brouillon de façon à ne pas le perdre, voilà. Et je vais vérifier que quand je clique sur mon image, j'ouvre bien. OneDrive, c'est magique. Je referme et je reviens ici. Si on ne veut pas mettre une photo, on peut aussi mettre simplement un lien. Donc sur du texte. Donc je vais taper simplement voir les photos. Je vais sélectionner l'ensemble de mon texte et je vais insérer le même lien. Insérer. Je fais CTRL V. Je fais coller. Si je veux ouvrir dans une autre fenêtre, je n'ai qu'à faire ça et je fais ajouter un lien. Et maintenant, je peux même supprimer donc cette vilaine ligne. Voilà. Je peux arranger mon texte en le mettant ça au milieu. Voilà. Ça, même chose. Je vais le mettre au milieu. Save draft. Publish. View post. Voilà. Je clique ici. Je l'ai dans la même fenêtre. D'accord. Donc je reviens, je vais revenir sur mon texte. Mais si je clique sur celui-ci, je vais ouvrir une deuxième fenêtre. J'ai ici mon texte et ici mes images. Je pense avoir été assez clair. Et donc je vais arrêter mon enregistrement.